Voici combien donnera l'État à Air Algérie en 2024. En 2024, Air Algérie recevra une aide significative de l'État, avec une allocation budgétaire de 10 milliards de dinars prévue dans le projet de loi de finances pour cette année. En tant que compagnie aérienne nationale bénéficiant du monopole du transport aérien en Algérie, Air Algérie continue de recevoir des soutiens financiers malgré son statut commercial, étant considérée par les autorités comme une entreprise d'État relevant de la souveraineté nationale. Le PLF 2024 détaille cette aide allouée au ministère des Transports, responsable de la compagnie aérienne. L'ancien ministre des Transports, Youssef Sharfa, a exposé ce montant lors de la présentation du budget devant l'Assemblée Populaire Nationale, soulignant qu'il servira à couvrir la différence entre les tarifs réels et les tarifs imposés par les autorités publiques, ainsi que le déficit des vols réguliers vers les pays africains et internationaux. Parallèlement, Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, recevra également un soutien financier de l'État en 2024, avec une allocation de 500 millions de dinars destinée à compenser la différence entre les tarifs réels et ceux imposés par les autorités sur les lignes intérieures.